Yo tout le monde, alors bah aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu de délire. Je me lève et puis je vois mes pogonas comme ça. Je dis il faut que je filme, ils font un petit câlin, c'est trop mignon. Alors voilà, bah on se retrouve juste pour une petite vidéo pour aller filmer, c'est rien de plus. Alors voilà, parce que je trouvais ça assez attachant qu'ils se fassent des câlins. Voilà. Alors on voit Godzilla au fond, la plus grande. Et Elysia. Juste devant, voilà, on la voit bien avec ses couleurs. Non, c'est une Blood Orange, Elysia. Et Godzilla, j'en sais rien. On me l'a vendu comme une Sandfire, mais je pense pas que c'est une Sandfire. Loin de là même. Attendez, j'essaie d'entrer un peu dans le terrain. Voilà, on les voit un peu plus de dos. Alors Elysia est encore en pleine nuit, c'est pour ça qu'elle est encore assez foncée. D'habitude que ça, elle est plus claire. Voilà, sinon je vais vous montrer un petit peu le terrain rapidement. Ça va pas vraiment changer. Je sais pas si voilà, vous voyez. Ça va pas changer. Manger. Peut-être le cactus qui a changé de place. Ah oui, thermomètre, l'hygiomètre aussi. Parce qu'en fait, elle arrêtait pas de me faire tomber l'hygiomètre. Du coup j'ai foutu les deux là, comme ça moi ça bouge plus. Voilà. Ensuite, en lampe chauffante et tout, j'ai tout. Pour rien changer encore parce que pour l'instant ça marche encore bien, donc je vais les laisser comme ça. Bon, ensuite je vais vous montrer si je sais pas si on voit bien à travers la boîte. Voilà. Attendez, je vais... Ah mais on peut apercevoir, pas voir, mais on peut apercevoir des criquets parce que j'essaye de lancer un élevage de criquets, et puis en même temps ça me sert de carte manger pour Godzilla parce qu'elle adore ça. On peut voir que c'est juste au-dessus de ma lampe chauffante et au-dessus d'une des Camponotus. Voilà. Ah voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer les câlins des pogonas. C'est quelque chose quand même. Pogona, c'est un câlin, c'est pas, on voit pas ça tous les jours. Alors voilà. Sinon j'essaye de vous mettre en ligne la vidéo de Nourissa juste après. Mais il me reste encore un peu de traitement à faire, donc je sais pas. On postera plus en fin de soirée, je pense. Enfin fin d'après-midi, début de soirée. Ensuite les vidéos pré-diapose, je vais essayer de la filmer demain, mais je sais pas, ça doit s'entendre un petit peu sur la vidéo, je suis enrhumé, alors je sais pas si c'est mieux de la faire maintenant. C'est avec la voix que je vais avoir sur la vidéo, ça va donner. Voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais dire. Oui, les vidéos anti-évasion, je vais essayer de la... J'ai pas pu la tourner hier en fait parce que j'étais d'anniversaire. Je vais la tourner cet après-midi, je pense, parce qu'il n'y a pas trop besoin de parler, c'est plus de la pratique. Ensuite viendront vidéo diapose, pré-diapose et manipulation d'un pogona. On verra tout ça ensemble. Alors voilà, on va se quitter et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner parce que ça fait toujours du bien au cœur, j'allais dire. Non, ça fait toujours plaisir autant à voir qu'on a des abonnés en plus, des gens qui nous suivent, qui sont là pour nous soutenir. Et puis je sais pas si vous avez vu sur la chaîne, on vient de dépasser les 1000 vues, c'est une grande étape. Certains diront c'est rien, mais c'est quand même beaucoup pour une petite chaîne comme celle de comme la mienne. Alors voilà, on va se quitter sur cette belle image des pogonas qui sont un câlin. Voilà, bon, allez, on se retrouve, à plus.